Bonjour, je suis David Darnaud, je suis sexothérapeute et dans cette vidéo, on va parler des exercices de Kegel. Alors, les exercices de Kegel, ce sont tout simplement des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles du périnée. Alors, le gros avantage de faire ces exercices, c'est que ça va renforcer votre érection et vous allez pouvoir aussi lutter un petit peu contre l'éjaculation précoce si vous pratiquez ces exercices, parce que en apprenant à contrôler ces muscles, eh bien ça peut permettre au moment où vous allez éjaculer de désamorcer un petit peu votre envie d'éjaculer ou de freiner l'arrivée de l'éjaculation. Donc c'est intéressant. Donc les deux gros avantages, c'est premièrement de raffermir votre érection et deuxièmement c'est de lutter un petit peu contre l'éjaculation précoce en apprenant à désarmer un petit peu l'éjaculation. Alors, pour pratiquer ces exercices, il faut arriver à localiser les muscles dont on parle. Donc, je vais vous mettre quelques illustrations. Donc, voilà, là, vous avez le périnée. Donc, on va renforcer le muscle pubo-coccygien. Le muscle pubo-coccygien, c'est le muscle, ça, c'est un petit tip que je vous donne, c'est le muscle qu'on utilise lorsque l'on veut s'arrêter d'uriner. Donc, lorsque vous êtes aux toilettes, si vous souhaitez stopper le jet d'urine, hop, c'est le muscle pubo-coccygien que vous allez utiliser pour faire ça. Donc, vous pouvez vous entraîner à le reconnaître en arrêtant d'un coup le jet d'urine lorsque vous êtes aux toilettes. Et vous allez voir que le muscle que vous utilisez pour faire ça, c'est le muscle pubo-coccygien. Donc, c'est un autre truc pour bien le localiser et pour se familiariser avec ce muscle. Voilà, maintenant que vous le localisez, comment faire pour faire les exercices de Kegel? Eh bien, tout simplement, il suffit de mettre un objet entre votre anus et vos testicules qui va permettre aux muscles du plancher pelvien de remonter légèrement à l'intérieur de votre corps. Et donc, lorsqu'ils vont remonter légèrement à l'intérieur de votre corps, l'exercice, le fameux exercice de Kegel, ça va être de pressionner ces muscles pour pousser un petit peu l'objet. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise en bois au début. Après, une fois que vous avez l'expérience, vous pouvez les faire n'importe où. Mais au début, les premières semaines, et en général, c'est quand même plus pratique comme ça, lorsque vous vous asseyez sur une chaise en bois ou un banc en bois, un support ferme, et que vous placez l'objet, eh bien vous avez plus de facilité à réaliser l'exercice. Donc au début, je vous conseille d'avoir une chaise en bois ou un banc, vous asseoir sur la chaise en bois, de placer votre objet entre votre anus et vos testicules. Donc pour l'objet, vous pouvez choisir une balle de tennis, une balle de golf ou un tube en PVC. Moi, personnellement, j'utilise un tube en PVC qui fait 3 cm de diamètre. Pourquoi 3 cm? Parce que si ça faisait plus de 3 cm, ça rentrerait, ça soulèverait un petit peu trop mes muscles pubo-coccygiens, mon muscle pubo-coccygien se soulèverait un petit peu trop et ça serait un petit peu douloureux. Donc après, c'est à vous de trouver le confort, mais le confort est important. Donc personnellement, 3 cm, ça me correspond bien. Si, peut-être vous, ça sera 4 cm. Il faut essayer, il faut que vous trouviez votre confort. L'important, c'est que le muscle il soit légèrement soulevé et qu'ensuite vous puissiez pressionner sur ce muscle pour réaliser les exercices de musculation et de raffermissement. Donc, une fois que vous aurez votre chaise en bois et que vous aurez trouvé l'objet qui vous correspond, ensuite vous le placez donc entre votre anus et vos testicules. Et le premier exercice, donc il y en a deux, soit vous pompez comme ça, donc vous pompez sur l'objet, c'est-à-dire que l'objet que vous placez sur la chaise, il va remonter donc votre muscle pubo-coccygien à l'intérieur de votre corps, et bien vous allez tendre ce muscle, et donc ça va pressionner vers le bas la balle de tennis par exemple. Donc je tends mon muscle, et ça pressionne la balle de tennis vers le bas, hop, ça le pressionne, et je fais des allers-retours comme ça. Donc je peux en faire 10 par exemple. Donc tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous allez voir, vous êtes épuisé au bout de 10 répétitions, surtout quand vous commencez. Après, au bout d'un mois, vous pourrez en faire 20, 30, il n'y a pas de problème. Mais au début, comme c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler, vous allez être très vite épuisé. Donc le deuxième exercice pour raffermir les muscles du périnée, c'est un exercice de pression. Donc pareil, on va mettre la balle de tennis, on va mettre la balle de golf ou on va mettre le tube en PVC sur la chaise en bois. Et là, au lieu de faire des allers-retours comme ça, on va pressionner tout simplement
Donc vous allez venir, avec votre muscle plus beau coccygien, vous allez venir écraser la balle de tennis. On l'écrase littéralement, on bande. Cette fois, on bande le muscle PC, on vient pressionner la balle de tennis et on reste comme ça, on tient cette position pendant une seconde, deux secondes, trois secondes, le plus possible. Donc pareil, au début, vous allez voir que c'est très difficile. On tient deux, trois secondes et on est épuisé. Donc vous avez deux, trois secondes, vous arrêtez. Et puis ensuite, après 20 secondes, vous recommencez deux, trois secondes. Au bout d'un mois, vous pourrez tenir 10 secondes sans problème. 15 secondes, vous allez voir. Et c'est là que vous pourrez jauger vos progrès. Parce que 15 secondes, ça ne vous fera plus peur. Et vous pourrez ainsi mesurer votre progression. Donc, mais au début, c'est normal. C'est comme c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. C'est normal, vous êtes épuisé au bout de 2 secondes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais il faut prendre des petites précautions lorsque vous allez commencer à pratiquer les exercices de Kegel. Comme ces muscles, eh bien, en général, on ne les travaille jamais, vous pouvez éventuellement vous froisser un petit peu ces muscles au début lorsque vous allez commencer à les travailler. Donc, ce que je vous demande, les deux précautions que je vais vous demander de respecter, c'est la première semaine de vraiment travailler presque à vide, presque en dilettante, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir juste vous échauffer un petit peu et pas vraiment travailler les muscles parce qu'il y a un petit risque de blessure. C'est pas très grave, mais ça vous obligerait au pire, si vous abîmez un petit peu les muscles, si vous froissez les muscles du périnée, ça vous obligerait à reporter votre envie de pratiquer les exercices de Kegel à 2 ou 3 semaines dans le futur, donc ça serait un petit peu dommage. Donc au début, là, juste pendant une semaine, vous pratiquez une fois tous les 2 jours et vous pratiquez vraiment presque à froid. Si vous pratiquez trop fort d'entrée, il y a un risque de lésion, un risque de lésion très légère, mais il vaut mieux le savoir pour éviter de se blesser. Et la deuxième précaution, c'est de pas pratiquer avec les abdominaux, mais uniquement avec les muscles du plancher pelvien, donc éviter de vous servir de vos abdominaux. Voilà, donc si vous pratiquez ces exercices tous les 2 jours pendant à peu près 1 mois, vous allez commencer à avoir de bons résultats. L'idéal, c'est de les pratiquer pendant au moins 1 mois ou 2. Si vous les pratiquez que pendant 2 semaines, c'est un peu léger. Ensuite, au niveau de la fréquence, il faut les pratiquer tous les 2 jours. Hein, donc 2 jours, vous pratiquez pendant 5 minutes, ça suffit. Et vous pratiquez tous les 2 jours pendant 1 mois et vous allez voir qu'au bout d'un mois ou 2 mois, vous aurez votre érection sera raffermie et vous aurez un bien meilleur contrôle sur ces muscles. Lorsque l'éjaculation va pointer le bout de son nez, vous allez voir qu'au moment critique, en forçant un petit peu sur ces muscles, ça désarme un petit peu votre éjaculation. Et donc là, vous aurez les 2 gros bénéfices. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, un petit bonus, lorsqu'on pratique les exercices de Kegel d'une façon régulière, vous allez voir que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu répétitif et donc c'est pas super intéressant. Par contre, si vous voulez une alternative, pratiquer le VTT pendant 2 ou 3 heures, ça équivaut à pratiquement 1 mois d'exercice de Kegel. Donc, moi, c'est mon expérience. Lorsque je pars en vacances, je pratique le VTT et les muscles pubo-coccygiens, les muscles du plancher pelvien, vu qu'ils sont obligés de forcer sur la selle pour gommer un peu les aspérités du terrain, ça permet donc d'absorber les vibrations, mais ça renforce aussi énormément les muscles du plancher pelvien. Et donc, il y a une alternative à la pratique des exercices de Kegel, c'est la pratique du VTT sur des terrains un petit peu accidentés pendant 1 heure ou 2. Ça fortifiera aussi énormément vos érections et ça peut aussi vous permettre de mieux lutter contre l'éjaculation précoce. Donc voilà, c'est un petit bonus de fin de vidéo, mais que je vous recommande pour l'avoir essayé et pour m'être rendu compte que ça fonctionnait aussi vraiment. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou vous abonner. C'est pas pour moi que vous le faites, mais ça va permettre aux personnes qui cherchent des renseignements sur les exercices de Kegel de trouver facilement cette vidéo. Et donc vous leur rendrez service à eux et vous me ferez aussi plaisir à moi. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.